L'administrateur militaire du territoire de Lubero appelle les élus nationaux et provinciaux à ne pas se fier aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux lors de son séjour en ville de Beni, où il séjournait pour l'accueil du chef du gouvernement. Le colonel Donald Ndonda a discuté avec les élus du peuple et à qui il a demandé d'accompagner l'état de siège pour rendre effective la paix en territoire de Lubero. L'autorité territoriale de Lubero reconnaît certaines erreurs dénoncées par les élus du peuple et promet remédier. Effectivement, monsieur le journaliste, je viens de parler avec mes élus de Lubero. On a essayé de discuter pour mieux travailler dans le territoire de Lubero. Ce sont des élus de Lubero. Et moi, je suis administrateur du territoire de Lubero. On a essayé de discuter entre nous. J'ai constaté que oui, il avait eu des erreurs. Maintenant, cette fois-ci, on va rectifier notre tir pour aller en avant. Lors de la rencontre, les députés ont profité de l'occasion pour dénoncer certains dérapages enregistrés pendant l'état de siège. Ils parlent des mauvais entourages autour de l'administrateur, ce qui serait à la base des échecs dans la résolution des conflits de terres et conflits coutumiers dans le territoire de Lubero. Je pense qu'en soi, l'administrateur lui-même, il n'est pas mauvais. C'est un patriote qui est venu servir la nation. Mais moi, ce que j'ai toujours reproché à l'administrateur du territoire, c'est son entourage. Je lui ai dit maintes fois, je viens de lui dire tout de suite là, je pense que l'entourage de l'administrateur doit être revu. À côté de lui, il y a des gens qui ne lui facilitent pas la tâche. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient de notre territoire. Il ne connaît pas les coutumes de chez nous. Il ne connaît pas les réalités de chez nous. Il a besoin de bons conseillers pour bien diriger le territoire de Lubero. On doit gérer l'entité d'une manière responsable, tout en respectant les textes de la République, tout en restant dans la logique du respect des droits de l'homme. Donc personne ne peut se permettre de se mettre au-dessus de la loi, au-dessus de tous les textes possibles qui réglementent la vie dans notre pays. À la fin des échanges, les élus du peuple ont promis d'accompagner l'état des sièges et félicitent l'administrateur militaire pour la sensibilisation des groupes armés qui ont désormais exprimé la volonté de quitter la brousse en vue de travailler pour l'intérêt du pays.